Abracadabra, bonjour, jour 9. Abracadabra, abracadabra, regardez ce scintillement, cette petite explosion de lumière, abracadabra. Étymologiquement, ces mots sont en lien avec les mots Evra, Kedebra. Je créerai d'après mes paroles. Alors, peut-être certains d'entre vous, évidemment, ont vu ou entendu Harry Potter ou lu Harry Potter et ils comprendront que ce mot peut être détourné pour détruire. Aujourd'hui, nous choisissons de créer d'après les paroles, de créer, d'être axé sur la vie. Abracadabra, c'est le verbe magique. Aujourd'hui, je m'ouvre à la magie et aux mots que j'emprunte. Quelle magie je vais mettre dans ma vie aujourd'hui? La peur ou l'amour? Je fais le choix et je fais ce choix en conscience. Abracadabra. Dans de nombreux monuments historiques, vous verrez des femmes et des hommes avec des grandes langues, parfois même fourchues. C'est pour nous rappeler que le plus important, ce n'est pas ce qui rentre dans nos bouches. Bien sûr, c'est très important de s'intéresser à la nourriture, à la nutrition et autres. Mais le plus important, c'est ce qui en sort. Aujourd'hui, je suis vigilante à mes mots et je fais le choix de remettre ou de mettre, de continuer, de cheminer avec ce abracadabra. Que mes mots maintiennent la magie de l'amour dans ce chemin de l'avant. Osez aimer, osez abracadabra. Tout peut se transformer.